Hit it! 16h56, le show du retour le plus drôle du temps des fêtes. C'est avec Marie-Claude Savard, Étienne Dano et Seb Trudel. Est-ce que vous avez un voisin grincheux, du genre qui chiale surtout, qui fait des plaintes pour n'importe quoi que vous faites? Si oui, textez-nous déjà au 6-12-12. On a possiblement trouvé le pire au Québec.
17h01. On va parler d'un voisin sans cœur qui va forcer des enfants, et là, c'est vraiment épouvantable cette histoire-là, là, ouais, à démolir une patinoire extérieure, ouais, que les enfants ont construite. Exact. Ça se passe du côté d'Ottawa. Et, ah, c'est pas au Québec. Okay. Non, non. J'ai dit au Québec, non, heureusement. Non, c'est du côté d'Ottawa. Proche. Pas ça du côté de l'Ontario. Okay. Ouais. Mais essentiellement, des jeunes qui ont décidé de se faire une patinoire à l'extérieur dans un quartier. Mm-hmm. Et il y a un des voisins qui trouvait que c'était laid. La patinoire est sur un terrain privé. Oui. Et, mais lui, ce qu'il disait, c'est que les bandes et tout, c'est de la pollution visuelle. Donc, okay, en anglais, eyesore. Mm-hmm. Et donc, il a fait une plainte officielle à la ville. Et là, personne dans la ville voulait dire aux jeunes, il faut que vous enleviez votre patinoire, mais c'est la réglementation municipale. Ben donc, parce qu'il a porté plainte officiellement, ils ont dû détruire la patinoire lundi, alors que les vacances du temps des fêtes arrivent. Risque. Et surtout, à une époque où on veut que les jeunes sortent, oui, jouer à l'extérieur. C'est ridicule. C'est choquant. Ça m'a mausé parce que moi, ça m'est déjà arrivé, bien, pas une patinoire, mais quand j'étais jeune, mais c'est ça, la parenthèse qui me frustre le plus là-dedans, c'est que souvent, ces chialeux-là, là, ces grincheux-là, mm-hmm, et c'est eux qui disent « Ah, les jeunes font rien, les jeunes, oui, sont dans les rues, puis ils font des mauvais coups, des choses comme ça. » Là, ils se mettent ensemble. Sûrement qu'il y a des parents qui ont aidé à faire cette patinoire-là, en plus, qu'ils, oui, ont appuyé là-dedans. C'est un projet concret. Moi, je porte-parole des Maisons de jeunes du Québec, mm, puis on se bat pour démocratiser des endroits où les jeunes se réunissent d'une façon sécuritaire. Oui. Puis là, il y en avait une, puis ce monsieur-là, il détruit ça. En tout cas, ça. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, nous autres, c'était juste jouer dans la rue. On avait un petit bout de cul-de-sac, on appelait ça le bout de la rue à M. Levac, okay, dans mon village à Bois-en-Noix. Ça me dérange pas de le nommer. Puis, à chaque fois qu'on jouait dans la rue, il criait dehors. Allez, vous allez là, vous n'avez pas le droit, mais on est dans la rue. Là, ben oui. C'était cul-de-sac. Nos parents nous laissaient aller. Il n'y avait jamais un char qui passait. Puis, tout l'été, c'était le meilleur endroit pour jouer au hockey-ball dans la rue chez nous. Puis, tout l'été, puis à la fin de l'été, on était tellement maudits. Puis là, je m'excuse, là, je demande pardon. on est allé dans son jardin, puis on a tout enlevé les légumes qu'il y avait dans son jardin. Oh, c'était ben notre mais... revanche. Les carottes, les salades, les tomates, tout. On a mangé, on a pitché là, dans le champ, dans la chez eux. On était trop fâchés. Non. Tu donnes une bonne raison d'être en maudit, finalement. Mais, ouais, mais ils nous empêchaient de jouer au hockey. Ah ouais, je dis pas aux jeunes de faire ça. Là. Ouais, c'est pas un exemple à donner, mais pareil. Ouais. Est-ce qu'il est à l'écoute, ce monsieur, ou non? Je sais pas. Okay. Il est probablement mort, comme je sais pas. Tu disais. Je sais pas. Non, mais c'est sûr que c'est choquant. Ça vient nous chercher profondément. Non, mais des voisins grincheux, moi, j'en ai eu quelques-uns quand même. Ben, moi, j'écoute pas de musique. En fait, c'est que t'es un voisin qui a pas d'allure. Là. Moi, ça? Ben oui. Comment ça, je suis un voisin qui a pas d'allure? Voyons, l'année passée, c'est quand l'été dernier, ouais, t'as mis un haut-parleur à l'envers, oui, sur le plancher de ta voisine d'en dessous. Oui. T'as fait jouer Gangnam Style pendant 10 heures. Oui. 10 heures? Oui, mais c'est parce que. Comment peux-tu te plaindre d'un voisin? Non, c'est parce que. C'est que donne ouais, la cette personne-là, en tant que telle, appelait la police à plusieurs fois. Mettons, il est 11h le soir, j'écoute un film, ça cogne à ma porte, c'est la police. Ça, c'est Gangnam Style. Ça, c'est la revanche. Police vient souvent chez vous. La police vient régulièrement chez moi. Et là, à un moment donné, tu sais, il n'y a pas de règlement. C'est pas vrai qu'il soit 10h, 11h. C'est fatigant d'entendre ça, ça me déconcentre. Mais ouais, ça a été vraiment ma revanche. Donc, c'est ça, c'est qu'après un party qui avait duré vraiment toute la nuit chez elle, où je n'ai pas appelé la police parce que je voulais pas la faire suivre. Je me suis dit, mais quand même, elle dormira pas pendant le jour quand même. Là, fait que là, tu t'es fait justice. Oui, ouais, tout à fait. En polluant, oui, sa vie avec Gangnam Style. Oui, mais elle a pollué ma vie depuis plusieurs semaines. Là, c'est mais c'est-tu encore à ta voisine? Non. Alors on se parle? Non, c'est correct. Okay. C'est réglé. Okay. Moi, je suis porte-parole de voisin solidaire. C'est quoi ça? C'est une initiative communautaire, okay, qui a pour but de créer dans le voisinage des environnements solidaires. Fait que c'est pour vous dire que vos voisins sont vos alliés. Moi, c'est ça le message que je porte dans les médias depuis un an. Et que quand on se sent unis dans une communauté, notre santé physique et mentale s'en trouve améliorée. Okay. Et que c'est important, le voisinage. Il y a des petites choses qu'on peut faire pour améliorer. Par exemple, dire bonjour, sourire. Peut-être juste parler aux voisins avant d'y mettre un subwoofer avec Gangnam Style dans le tapis. Mais Marie-Claude, tu te souviens qu'on a été voisins à un moment donné? Ah oui, c'est vrai. On était voisins, puis on s'est jamais parlé. Non. La première fois qu'on s'est parlé, c'était ici. Oui, mais je savais... Écoute, ouais. OK. Mais je ne savais pas que tu étais mon voisin. OK, d'accord. Mais je voulais juste passer ce message-là à la fin de cet échange. Mais là, on cherche des gens qui vont dénoncer leurs voisins grincheux, fatigants, qui font des plaintes pour rien. On cherche vraiment le pire, donc appelez-nous. Textez-nous au 612-12 514-7900-94-3. Les voisins pas solidaires. C'est ça. 1-800-665-5440. Les lignes sont pleines. C'est qui le voisin le plus fatigant au Québec? C'est sûr. On veut le trouver. Les plus gros est avec Weezer et Beverly Hills dans sa rentre au poste à énergie.
On cherche le voisin le plus grincheux au Québec, un voisin fatigant qui fait des plaintes pour n'importe quoi. Les lignes sont pleines. On règle des comptes. Il doit en avoir beaucoup, là. On va parler à Fanny de Gatineau. Fanny, c'est qui ton voisin qui est fatigant, grincheux comme ça? Moi, c'est quand j'étais jeune. Je restais dans un petit village. OK. Elle s'appelait Madame Turgeon. Madame Turgeon. Ouais, et puis qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Moi, je me souviens une fois, quand on jouait au hockey, moi, mon frère dans la rue, elle avait appelé les polices pour se plaindre, justement, parce qu'on était dans la rue. J'avais demandé au policier, je lui dis, gaffe, c'est qui a fait la plainte? Il me dit, j'ai pas le droit de le dire. Ouais. Il me pointait avec ses yeux l'autre bord de la rue. Oh. Mais dans la montagne, il n'y avait pas les afficheurs de ses téléphones. Fait que j'avais appelé toutes les compagnies de service à la maison. Pizza, poulet, fleurs. J'avais eu un gros paquet de livraisons chez eux. Ma mère, au lieu de me chicaner, elle me regardait et elle riait comme une poêle à côté. Wow. C'est trop bon. Ça, c'est une belle c'est vengeance. Bon. C'est une belle vengeance. Tu vois, c'est ça qui arrive. Ça ne change à rien à cette madame-là qui joue au hockey ben dans la rue. Ben non. Ouais. Et ce qui est arrivé, c'est Fanny. Merci, Fanny. Ouais. Éric de Saint-Eustache, tu t'es vengé toi aussi d'un voisin grincheux. Comment? Hey, écoute, là, je fais une confidence. Ça fait 30 ans de ça. J'ai jamais raconté ça à personne. Ok, oh, c'est drôle, ça. Ça fait 30 ans. On jouait au hockey dans un... Tu sais, moi, premièrement, ça s'est passé à Montréal-Nord. OK, OK. C'est entre des blocs appartements. Tu sais, souvent, tu as des stationnements où est-ce que tu as des stationnements pour les deux blocs, là. Oui, oui, oui. On jouait au hockey-ball là-dedans, nous autres. Puis à chaque fois que notre balle allait dans la cour d'un des voisins de la rue arrière, il gardait tout le temps nos balles. Fait que tu sais pas combien de balles qu'on a passées là-dedans. Ouais. Écoute, tu peux te dire. Un moment donné, un soir, on se regarde tout, on dit « OK, c'est assez, là, on arrête de niaiser, on va se venger. » On a à peu près 15-16 ans. Il y a un Val Royal à côté de chez nous. C'est un ancien cours à bois, pareil comme Rona. Okay. On passe la clôture, on ramasse deux gros galons, on s'en va avec ça, on se pousse. Mais nous autres, on pense que c'est du chlore. Okay. Fait qu'on dit, on va mettre ça à terre dans son driveway, puis là, c'est tout, on s'en va. On met ça à terre, on sac notre cadre de là. Le lendemain, il y avait un trou de 8 pieds de profond par 15 pieds de large. C'était de l'acide. Non! De l'acide! Mais vous auriez pu vous faire mal. Non, ça aurait pu... Probablement. Oh, Seigneur! Mais quand on a vu le trou, la grosse du trou, le cratère. Hey, ça n'a pas de sens. Et là, vous vous êtes dit, on garde le secret, on ne dira jamais rien. Fait que c'est la première fois que tu le dis, là. Moi, de mon bord à moi, je n'ai jamais raconté à personne. C'est la première fois que je raconte. Écoute, j'ai un de mes amis là-dedans qui est décédé aujourd'hui. Puis il y en a un autre qui habite pas loin de moi. Fait que s'il m'entend, là, il va rire en tabarouette. Éric, c'est sûrement pour ça que tu as déménagé à Saint-Eustache. Tu t'es sauvé. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, Éric. Marc de Saint-Jérôme, tu as le pire voisin grincheux qui fait toujours des plaintes, ça a l'air. Oui, salut la gang, ça va bien? Très bien. Salut. Oui, oui. Là, on est hivernal, hein? Oui. Oui. Bon, ben on a peu encore beaucoup de neige, mais quand on a de la neige, là, je me mets en neige comme à droite de chez nous, dans la rue. Ah non! Puis, il ressort, il la refoue chez nous. Ah non, c'est ça, là! Ça, c'est pénible. Moi, ça, j'en ai des... Ah, c'est-tu pas fatigant? Ben, puis là, je dis, hey, c'est parce que la charrue, là, quand elle va ramasser, là, elle va te l'étendre, là. Oui. Elle va aller jusqu'au coin de la rue, là, et il comprend pas, et qu'il continue. Admettons que je fais des rénovations chez nous, là, extérieur ou n'importe quoi, je fais un cabanon, là. Ouais. Ben, la ville vient me voir. Mais non. On a eu des plaintes. Comment ça, t'as eu des plaintes? Tu fais trop de bruit. Hey, c'est parce qu'on est dans le jour, là, tu sais. C'est tout le temps. Mais t'as-tu essayé de faire la paix avec lui? Parce que là, il va te causer des ennuis, là. Quand c'est rendu que les officiels viennent chez vous, là, faut que tu l'amadoues, fais quelque chose, donne-lui un cadeau, va y chanter une chanson, donne-lui un câlin, il y a quelque chose qui va pas. Il a manqué d'amour à m'amener. Lui, c'est sûr qu'il a manqué d'amour, là. Tu sais, même mon chien, il échappait, là. Ben, il est rentré dans le cours, il a pris une photo du chien, il nous a emmené en cours parce que mon chien faisait trop de tapage. OK, ben là, je pense que c'est un cas perdu, là, dans ce cas-là. Ben, tu sais, là, j'ai dit à la cour, j'ai dit, hey, il est rentré sur ma propriété privée, là. Il aurait pu se faire manger par le chien, puis là, j'aurais été actionné parce qu'il est venu chez nous. Hey, j'ai une idée. Prends une photo de lui. OK, prends une photo de lui. Mais, ouais, okay. Mais là, sur les réseaux sociaux, là, puis garoche-lui ben de l'amour de manière peu ironique. Je sais pas, quelque chose du genre. Il faut que tu le désamorces, faut que tu le désarmes. Là. Il est dangereux. Ben, c'est parce que c'est plate. C'est vrai que c'est un vieux monsieur. C'est un vieux grincheux. C'est ça, il est peut-être seul. Il y a juste ça à faire. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Hey, bonne chance, Marc. Passez des belles fêtes. Bonne chance. Hey, Marc, annonce pas de neige cette semaine en passant. En musique, c'est Paul McCartney, Wonderful Christmas Time. Ça rentre au poste d'énergie.